Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le SteelSeries Edge Wireless, l'un des casques les plus haut de gamme de chez SteelSeries, et on commence tout de suite. Je vais donc commencer cette vidéo par les informations contenues à l'extérieur de l'emballage, à commencer par le support du Dolby Digital, et ensuite à l'arrière de l'emballage on nous indique donc que le casque dispose d'un lag très très faible, donc qui concurrencera certains casques filaires. On nous indique aussi que le bundle de ce casque est vraiment très riche et que la petite station émettrice dispose d'un écran OLED afin d'afficher quelques informations comme un égaliseur ou tout simplement la batterie du casque en lui-même. On va donc commencer cet unboxing vraiment avec une boîte très classieuse comme on a l'habitude de le voir sur les produits assez haut de gamme de chez SteelSeries, donc comme le Apex M800 qui est donc un clavier mécanique que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu la vidéo. On a vraiment un engrenage très classieux à commencer par ce casque présenté donc sous une petite trappe. Donc le casque nous est vraiment présenté de manière vraiment très très améliorative, donc c'est vraiment très classieux comme emballage. Nous avons en premier temps le casque, ensuite la petite station émettrice qui permettra donc de diffuser le son en wifi jusqu'au casque. Sous une petite trappe vous aurez donc ensuite le bundle, donc qui est vraiment une très bonne surprise sur ce casque, un bundle vraiment très exhaustif et très complet. On pouvait s'attendre à un bundle aussi complet sur des casques vraiment très haut de gamme, et c'est le cas, qu'on est vraiment sur un casque à 300€ et on le sent vraiment bien au niveau du bundle. Donc à commencer par un casque mini jack pour brancher à votre Xbox, suivi d'un casque d'un câble USB pour le brancher sur votre PC si vous utilisez le casque en tant que casque pour PC, un câble optique, donc ça c'est rare de voir ça sur les casques, donc on a vraiment un câble optique de 50 cm pour brancher à votre chaîne Hi-Fi, un câble USB d'alimentation pour le brancher en tant que chaîne Hi-Fi, et enfin un casque jack pour relier votre casque en filaire sur votre téléphone ou tous vos services en jack. Pour ce qui est maintenant de l'alimentation sur le secteur, on a vraiment un bundle encore une fois très très riche, à commencer par la prise française suivie des prises anglaises, américaines, asiatiques et françaises. Après le déballage, on va maintenant s'intéresser dans un premier temps à la station émettrice qui est vraiment très 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 belle. C'est vraiment mon point que vous m'entendrez souvent répéter dans cette vidéo, mais vraiment c'est un casque très beau, vraiment qui respire la qualité avec une qualité de finition excellente qu'on a l'habitude de voir chez SteelSeries. Donc cette magnifique station émettrice ornée d'un logo SteelSeries brillant sur mat qui rendra vraiment vraiment très très bien dans toutes les circonstances, vraiment très sobre, et c'est la carte de la sobriété qui a été jouée par SteelSeries et ça marche vraiment 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 très bien. Pour ce qui est de la connectique arrière de la petite station, vous aurez un port optique d'entrée, un de sortie, un port USB, un port d'alimentation et deux ports jack entrée et sortie. Si vous retournez cette petite station, vous verrez l'énorme patin anti-dérapant qui permettra vraiment d'avoir une station très stable et qui ne risquera pas de tomber lorsque vous vous énervez légèrement quand vous jouez. C'est vraiment vraiment très agréable d'avoir ça sur un casque vraiment très haut de gamme. Pour ce qui est du casque maintenant, on est vraiment sur un casque aussi lui très esthétique, vraiment très très confortable aussi, vraiment très 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 bien fini encore une fois, je le répète. Donc vous verrez donc ces belles mousses qui à mémoire de forme s'adapteront vraiment à toutes les têtes, que ce soit les grandes, les petites, c'est vraiment vraiment comme d'habitude, comme sur les Siberia, des casques vraiment très agréables à porter, même s'il est un petit peu lourd par rapport au casque filaire, vraiment c'est vraiment très impressionnant d'avoir un aussi gros confort. Ensuite sous l'oreillette gauche vous aurez donc deux petits ports jack pour brancher votre casque sur un téléphone par exemple, et un bouton d'alimentation qu'il faudra presser 2 secondes pour allumer le casque. Passons maintenant au micro. Le micro, j'ai été vraiment déçu sur ce casque.
car je vous laissais juger de la qualité, mais vraiment c'est vraiment un très mauvais micro je trouve. Pour un casque à 300€, j'étais vraiment déçu de la qualité de ce micro, donc je vais vous mettre maintenant un extrait audio de ce micro. Ceci est un test du micro du H-Wireless, donc je suis assez déçu par la qualité audio de ce micro intégré sur le casque, sachant que le casque est assez haut de gamme, on pouvait s'attendre à un micro au moins de la qualité du CR500, mais là on est vraiment sur un casque vraiment vraiment mauvais au niveau du micro. Voilà. J'espère que vous aurez bien pu voir un petit peu la qualité audio du micro intégré sur la Wireless. De mon côté, j'étais assez déçu, mais à voir aussi que c'est un casque qui n'est pas fait pour le streaming, mais bien pour les conversations sur Skype. Sur l'arceau du casque, vous aurez un petit logo SteelSeries gravé dans le caoutchouc. Et c'est vraiment un petit détail qui ferait vraiment son importance, et je trouve vraiment que c'est un casque très 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 bien réussi. Nous allons maintenant passer aux points positifs et négatifs sur ce casque. Donc on va commencer par les points positifs, qui sont un bundle très riche. Je n'ai pas spécifié dans la vidéo, mais vous avez deux batteries rechargeables donc sur ce casque, donc qui vous permettra de ne jamais être à court de batterie sur le casque, qui est vraiment très intéressant comme feature. Vous aurez aussi une très très bonne ergonomie, donc ça j'étais vraiment surpris, mais on est aussi en terrain connu chez SteelSeries. On aura ensuite donc aussi un côté très esthétique sur ce casque, qui était vraiment très agréable je trouve à voir. Et pour finir, je trouve que le casque est vraiment vraiment d'une qualité audio excellente. On est vraiment sur un casque qui vaut ses 300€. Pour ce qui est des points négatifs, je ne pourrais vraiment que dire le micro, qui est pour moi à 300€, reste vraiment vraiment très de trop mauvaise qualité, pardon. Pour 300€, on aurait au moins aimé avoir un micro de la qualité, peut-être pas de la qualité de mon CR500 que j'utilise actuellement, mais au moins un casque qui permet de vraiment être bien compris quand on parle avec ses amis sur Skype, sur TeamSpeak ou sur Discord. Cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour le test et le déballage du MSI GS70. Donc, si vous voulez que la vidéo arrive vite, laissez un pouce vert, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, salut tout le monde, on se retrouve à très bientôt.